de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Yeah.
mon sauveur. C'est pour moi qu'il est mort sur la croix. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Auprès de toi, j'ai découvert la vraie joie. Protège-moi de tout mal. Protège-moi de tout mal. Et contre la tentation, dans ma défense. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre secours. Allons à lui avec des chants de joie. Thank you.
Nous voici rassemblés ce matin en cette église paroissiale, la paroisse Saint-Jean de Cotonou. Nous voici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur. Avec cette fille, nos sœurs, que le Seigneur, dans sa miséricorde, a appelé à son service. Elles sont là. Nous sommes là avec elle. Chacun et chacune, avec sa vie, ses succès, ses échecs, ses espoirs et ses inquiétudes. Même le cœur plein, la bonté que le Seigneur a accomplie dans sa vie. Nous sommes là aussi avec nos faiblesses, nos illusions, nos résistances à la grâce de Dieu. Pour tout cela, avec tout cela, nous déposons cette Eucharistie. Demandons pardon au Seigneur. Demandons à lui de nous disposer ce matin à accueillir encore une fois cette réponse.
Père Saint, tu as inspiré à nos saints la volonté de suivre de plus près le Christ. Donne-leur maintenant, au point de la route où elles sont parvenues, de te consacrer toute leur vie, sans aucune réserve, à la suite de Saint Pio de Pietrelcina. Et nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle ne répondra pas au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Tu es ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sa venue, il disait cette parabole.
Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui privent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme les loups tardaient, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensées demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, les loups arrivèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'enferma à la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Bueno,
quatre mouillés, les autres dans les mêmes au courant.
écouter la parole de l'Éternel dans son pays avant que ça ne reste à ses pieds. Chers Pères conséquents, chers Dieu de Dieu, toute âme consacrée ici rassemblée, frères et sœurs en Christ, particuliers, vous, les familles respectives de nos élus de ce jour, émotion, joie, et action de grâce, me semble être un mot que nous pourrions tous utiliser ce matin pour traduire ce que ressentent nos cœurs en cette église paroissiale ce jour du 9 août 2006. Joie, émotion et action de grâce. Oui. L'émotion de voir cette fille s'avancer déjà au début de cette Eucharistie, calme, moins apparemment, sereine, à la rencontre du Seigneur qui les appelle et les attend. Joie de les voir progresser et s'aligner. Alors arriver à faire rentrer quand la porte de l'eau sera ouverte à la lumière de l'eau. Action de grâce au Seigneur qui ne cesse jamais de poser son regard de direction sur nos vies pour lancer à nos cœurs son appel. Je me suis.